ça va pas être triste ce soir aussi. Salut Station Fréquence, et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Donc, alors, ce coup-ci, on est bien samedi 16 avril 2016, et il est 21h. Donc, comme à chaque fois, une petite vidéo pour motiver les autres régions. Et un petit rappel par la même occasion, le QSO du canal 27 et le QSO de tout le monde. Donc, tout le monde est le bienvenu là-dessus. Chaque région se débrouille pour le lancer en AM, en FM, en USB, en LSB. Voilà, donc voyons un petit peu s'il y a du monde. Ok, comme à chaque fois, je vais oublier d'allumer la boîte à propag. Ça y est, ce coup-ci, c'est en route. Alors, attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. En avant! Bon, c'est un petit peu diesel pour commencer, mais ça va bientôt arriver. Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. Est-ce qu'il y a du monde? Bon, ok, faut pousser un petit peu la boîte à propag. C'est parti. Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. Ok Eric, tu viens juste d'arriver ou alors c'est parce que tu m'entendais pas trop hein? J'étais pas sûr, j'ai soupçonné quelque chose dans le fond, mais j'étais déjà pas. Dans le fond? Putain, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de propag là ce soir. Ben là je suis au taquet là. Là je n'irai pas plus haut car ça, la bestiole va quand même pas mal chauffer, donc là je n'irai pas plus haut. Hein. Bon, c'est vrai que là j'étais deux crans en dessous là juste avant là quand j'ai commencé à lancer les appels. Ah non mais là ça va impeccable là maintenant ça va, c'est nickel. Voilà. Ok, bon j'ai baissé d'un cran. Voilà, ce qui fait quand même, ouais, voilà, quand même ça hachit, plus que si je mettais uniquement le poste par lui-même à fond, quoi, hachit. Ouais, mais c'est passé à 4 watts, là, c'est bon, c'était à 3 watts élevé. Ah oui, là, ouais, comme tu dis, là, bien comme il faut, là. Alors je m'attends pas à des miracles hein, parce que vu la propa qu'il y a derrière, juste avant là j'étais en AM, j'ai émis le squash là, tout à l'heure là pour avoir la paix parce que ça faisait vraiment trop de bruit. Il y a de la propag partout. En BLU, je suis monté là vite fait là il y a 5 minutes là. Voir un petit peu, t'as la Martinique, t'as tous ces coins là qui passent. Il y a beaucoup de propag ce soir. Donc forcément, hein, ce qui est normal, hein, les gens vont plus aller pour faire des contacts des X plutôt que du QSO local. Quoi. Ok, j'en profite pour saluer Michel s'il écoute, voilà, et pour lui signaler que la commission est passée, voilà Michel, donc si tu m'entends, je te salue, et puis j'ai fait passer ton petit message.
Ouais, Michel, je confirme. J'ai eu Eric au 600, il m'a fait le QSP. Il n'y a pas de problème, soigne-toi bien, il n'y a pas de souci. Eric, par la même occasion, puisqu'on est dans les messages, tu as les 913-51 de Pascal, 14 ODR 001 que je viens d'avoir au 600, là, juste avant, là. Toi, là, j'ai coupé avec lui pour pouvoir commencer le QSO, là. Ok, les invités à Pascal, et puis j'espère que Pascal, tu vas bien, voilà, et puis, ben voilà, j'espère que tout va bien, voilà, les invités, tout amplifié. Voilà, bon ben je sais qu'il te retourne ça à nouveau, il n'y a pas de problème, puisque justement il m'a bien dit, tu lui feras le QSP et tout, ça, tu lui enverras les 913-51, voilà, ça y est, c'est fait. Ok, pas de soucis. Il y avait Christophe derrière qui était avec nous hier soir, peut-être qu'il a écouté. Christophe, bonsoir, je suis là. Ouais, bon, mais j'entends personne. Assis. Donc, de l'autre côté, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai que là j'étais en train de tendre l'oreille aussi, je l'entends pas. Et là ce soir, Chameau, normalement on devrait pas l'avoir avec nous, parce que tous les samedis soirs, bon ben c'est une réunion familiale gastro, hachis. Donc ben oui, évidemment il a mieux à faire, hein. Logique. Après, ben pour les autres stations, ben je sais pas, hein, ça sera je sais pas. J'ai pas d'infos de nulle part. Petit coup d'œil rapide sur le forum, les ondes du routier pour voir. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? Rien. Je ne sais pas si Belphégor sera des nôtres, puisque là, je vois, il a posté. J'ai aperçu là d'autres stations, mais bon, c'est sur d'autres régions là qu'allaient se mettre aussi en fréquence. De notre côté là, j'ai rien quoi. Voilà, pour faire court, de notre côté là, j'ai rien comme info. Ouais, mais de mon côté c'est pareil, c'est ce que je regarde, donc c'est calme, calme ce soir. Voilà, on va laisser un petit temps, il faut que j'ai les stations. Sur la 6 là. C'est quoi sur la 6? C'est un Y50 que tu as sur la 6. Il y a peut-être ça aussi. Ouais, j'ai écouté la vie de feu en même temps en Lima Sierra Bravo et pareil, il y a autant de bruit. Hein. Donc, qu'on soit d'un côté comme de l'autre, là, visiblement, on a la même chose. Hein. Possible. Donc, alors attends, avant d'abréger, hier on a parlé du président, McKinley, multimode. Donc là, on en a discuté avec Pascal. Bon, ben, on n'a pas d'autres news là pour le moment. Là, sur la date de sortie, est-ce qu'il sera vendu en France? Mais quand on regarde l'allure de ce poste, on dirait du réchauffé, hein. Voilà, on dirait un autre poste sous un autre nom qui ressorte, hein, avec une nouvelle technologie dedans, bien sûr. Mais côté façade, il a un air de déjà vu, quoi. Par contre, ouais, je t'ai parlé aussi là du CRT Mega Pro AMFM.
qui a tout à fait l'allure d'un petit poste UHF-VHF, mais ce poste existe déjà sous le nom de... Eh bien Pascal, qu'est-ce que tu m'as fait Pascal, tu l'as mis où la photo? Ah zut ah ben là j'ai l'air con là, comme ça là. J'ai l'air con. Si, Stabo, voilà. Il est déjà connu sous le nom de Stabo XM, je crois, 4000. Alors, comme quoi, ben, une fois de plus, les marques et tout recopient, s'échangent. C'est un petit peu chiant, ça. On s'y perd à force, là, dans les postes. Hein. Là, tu retrouves le même poste sous 50 marques différentes. C'est un petit peu casse-burette. Hein. Alors, moi, le truc que j'arrive pas à comprendre, justement, on en discutait là aussi tout à l'heure avec Pascal, c'est que en ce moment, depuis un certain temps déjà, il y a pas mal d'innovations côté CB, mais à chaque fois, c'est pour les postes AMFM. Il y a quelque chose dessous, là, qui est bizarre. Et là aussi, c'est un poste AMFM, et quand tu le regardes, le CRT Mega Pro, hein, voilà, quand tu le regardes, tu diras un petit poste VHF, UHF ou un truc comme ça, quoi. Avec clavier numérique sur le... pavé numérique sur le micro, il y a plein de trucs. Hein. Et à croire que la taxe française, tu sais, celle qui remplace la fameuse licence, doit être moins importante ou carrément inexistante sur les postes AMFM par rapport aux postes BLU. Il y en a un qui arrive fort, hein, il est sur mon nul. Ah, ok, ben en avant. Ah oui, d'accord, merde. C'est l'Amérique du Sud, non, ces coins-là? Oh, je sais pas qui c'est, bah alors, ça arrive, c'est vachement fort, là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est... Ok. Bon, bah, de toute façon, c'est enregistré sur la vidéo, hein, si t'as pas compris ce que... Si j'étais sur modulé, tu sais comment le réécouter, quoi. T'as voyé un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 avant qu'on arrête là le QSO, car de toute façon là, avec la propague qu'il y a ce soir, tout le monde est en BLU et plus haut. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence qui veut rentrer dans le QSO? Ah, j'en ai entendu un se signaler, mais je suis pas sûr que ce soit un Français, quoi. Ouais, il y a une espèce de cacophonie là, c'est j'arrive pas à comprendre si c'est du français ou de l'étranger, quoi. Non, je pense que ça doit être plus de l'étranger à mon avis. Hein. Ouais, puis je vois sur le forum, ils sont tous sur le 5, là, je crois que ce soir ça va être cuit, hein. Voilà, je crois qu'on va pas appeler le système. Ouais. Ok. Attends, putain, j'ai le ventilateur, il va falloir que je m'en occupe de ça, des ventilateurs silencieux. Ah putain la vache, je suis en train de me faire chier là. Je suis en train d'essayer d'attraper le ventilateur là derrière la boîte à propague là, pour qu'il fasse moins de bruit. Quoi. Ok, ben, c'est comme tu veux, il n'y a pas de souci, hein, ça m'embêtera pas plus que ça. Hein. Non, je pense qu'on va aller faire un petit tour voir voir s'il y a quelques stations, puis après je crois que on va tout éteindre, enfin, pour ma part, voilà. Bon, ouais, j'ai dit que pas ce soir, c'est pas la peine. Allez, Rémi, 75-51, la bonne soirée, on cuira tout le monde, et puis bon, c'est aussi au courant, de toute façon, pour ce que tu sais, avec Chamon. Oui, il n'y a pas de problème, déjà, ouais, il doit t'appeler mardi, normalement.
Je pense que je vais lui envoyer un SMS pour lui rafraîchir la mémoire, à condition que moi je ne zappe pas non plus, hachis trois coups. Et oui, on fait comme ça. Ok, je vais aller faire un tour aussi là-haut, parce que là tout le monde est en train de profiter de la propague, et ils ont bien raison. Et d'ici que le Québec passe tout à l'heure, qui sait, on sait jamais, quoi. Ok, je te laisse, les bonnes soirées 51 à toi, bon QSO, bon contact, si t'arrives à attraper des hommes qui parlent français dans le lot, quoique toi t'es multilingue, hein, Hachi. Allez, je te laisse, merci pour ce petit QSO, à plus. Ok, 73, bye bye, et salutations à tous les écouteurs, bye bye. Ah oui, c'est vrai, merci les bonnes soirées 51 aux écouteurs, bye bye. Ok, bonne nuit. J'étais ailleurs, moi. J'ai été allongé à la propague aussi sur le triple 5, puis voilà. Il y en a aussi ici. Voilà, voilà, je vais attendre un peu, après je vais retourner là-bas. Ok, ok. Ce soir autour à 7h19 attendre la toi Patrick.
speed of 5 to 20. Pero Canaria llama, esto es La Palma, la isla bonita que llama, buenas tardes. Mas eu tô achando ela. Mas vou falar uma hora ali.